Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment bien interpréter un thème de blues. Je vais vous donner des conseils que je donne assez souvent à mes élèves sur ce sujet-là, parce que ce sont des erreurs que je vois assez couramment en fait lorsque je donne des blues à travailler à mes élèves. Et après je les vois revenir avec des petites choses à corriger qui sont assez souvent les mêmes choses en fait. Donc on va voir le thème T-Bone Shuffle. C'est un thème qui a été composé par le guitariste T-Bone Walker, qui était un guitariste extrêmement influent dans le blues et qui a influencé plein de guitaristes extrêmement connus, Jimi Hendrix par exemple, mais plein d'autres. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, déjà, la première chose à faire lorsque vous bossez un thème de blues, c'est d'avoir la partition, en fait de jouer les bonnes notes avec le bon rythme. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc il faut trouver la tablature, trouver la partition, ou éventuellement la repiquer vous-même en essayant de retrouver les notes. Avoir les bonnes notes avec le bon rythme. Pour ce morceau de T-Bone Shuffle, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller de trouver ma version sur YouTube, parce que je l'ai enregistré, à deux guitares d'ailleurs. Il y a deux voix, et vous trouvez la tablature, vous la téléchargez gratuitement, et vous avez la tablature à suivre en fait. Donc vous bossez ça avec Guitar Pro, avec Tux Guitar, avec n'importe quel logiciel qui vous permet de lire la partition et de jouer en même temps, de ralentir le tempo. Ça c'est la première étape, apprendre les bonnes notes avec le bon rythme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur... je vais jouer ce thème-là avec justement les erreurs que je vois assez couramment, et qu'après je vais corriger. Je vais faire ça sur deux versions. La version, alors je ne sais pas si c'est la version originale, mais en tout cas c'est une des premières versions enregistrées par T-Bone Walker. C'est sur le CD T-Bone Blues, je crois. Parce qu'il y a plusieurs versions de ce morceau-là enregistré par T-Bone Shuffle, et puis une de T-Bone Walker. Et puis une qui est de Albert King, avec deux autres personnes, Robert Cray, je crois, et Albert Collins. J'espère pas me tromper. En tout cas, il y a Albert Collins dans le trio, quoi. Je vais le faire en même temps, en espérant que YouTube ne me mette pas trop de contraintes et bloque pas la vidéo sur ces deux morceaux. En tout cas, j'espère qu'il y en aura au moins un des deux qui passera et qui ne sera pas bloqué par YouTube. Donc je fais ça en même temps que ces morceaux. Il y en a un qui est en La bémol, hein, joué par T-Bone Walker, et l'autre en Si, je crois. C'est parti. Alors j'ai fait pas mal d'erreurs ou plutôt de choses. J'ai joué les bonnes notes avec à peu près le bon rythme, mais ça sonnait pas. J'ai essayé dans l'audio d'ailleurs de mettre ma version sur une oreille. Donc si vous écoutez au casque cette vidéo, c'est parfait. Plutôt sur une oreille et puis l'autre, le modèle plutôt sur une autre oreille. Comme ça, c'est assez pratique, assez facile de comparer. La première des choses à faire attention lorsque vous bossez un thème et à bien reproduire, c'est le phrasé. C'est-à-dire, est-ce qu'une note, elle est tenue ou elle n'est pas tenue? Ou est-ce qu'elle est piquée, en fait? Est-ce qu'elle est jouée ta? Ou est-ce qu'elle est jouée ta? Si elle est tenue, combien de temps elle dure? Toutes ces choses, en fait, la façon de jouer une note, c'est ce qu'on appelle le phrasé. S'il y a des bends, par exemple, de combien il est le bend? De un quart de ton, de un peu plus d'un quart de ton, un peu moins d'un quart de ton, à quelle vitesse il se fait, tous ces trucs, c'est des choses qui ne peuvent pas être notées précisément sur des partitions. Vous n'aurez pas cette information. Donc ça, c'est très important d'écouter le morceau et de le recopier le mieux possible. Donc là, ce que j'ai fait dans mes versions, c'est que j'ai fait ta-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da-da. J'ai tenu un peu trop toutes les notes. Parce qu'il y en avait qui doivent être piquées, par exemple. Ça doit faire ta-da-ta. Ta-da-ta. Donc celles-ci et celles-ci sont piquées.
dès que je joue la note, tac, tac, je relâche la pression à la main gauche. Et après, non. Il y en a certaines qui sont tenues et d'autres piquées. Ça, c'est la première chose. Essayez d'imiter le phrasé des notes. C'est très important. La deuxième chose, c'est le rythme. Très souvent, lorsqu'on est débutant ou de niveau intermédiaire, on n'a pas forcément un souci du rythme qui est très important. Quand la note est à peu près dans la pulse, c'est bon. Ben non, il faut être très soucieux de ça. Parce que ça contribue énormément à la qualité d'une interprétation, et en particulier lorsqu'on joue sur un thème qui est écrit, si vous jouez ce morceau devant des amateurs de blues, ils vont connaître ce thème, et si vous faites ta-da-da, ta-da-da-da, ils vont dire « Ah, on reconnaît le thème, mais c'est pas... c'est pas le bon phrasé !» Bon, même s'ils n'auront pas à dire ces mots-là. Quelque chose qui est très important, c'est le placement rythmique, le rythme. Il faut que vous soyez parfaitement avec le morceau. Là, dans les deux exemples que j'ai enregistré, là, que je viens de jouer, j'étais pas vraiment avec le morceau, j'étais toujours un petit peu derrière. Alors des fois ça fluctuait, j'accélérais un peu ou quoi, mais globalement je traînais un peu toujours les pieds. Donc ça c'est un défaut qu'on a assez souvent lorsqu'on joue avec un modèle audio, c'est qu'en fait le temps que le son arrive à l'oreille, qu'on dit ah oui il faut faire ta da da, et ben là il y a, je sais pas moi, 50, 100 millisecondes de délai. Qui font que ben en fait ça sonne décalé quoi en fait hein. Donc ça il faut faire très attention à ça et essayer de le corriger, donc d'être plus soucieux du rythme, quitte à, ce sera peut-être nécessaire, moi c'est ce que j'ai fait pendant une période pendant ma formation, de me dire il faut que j'accélère en fait, il faut que je joue trop tôt par rapport au rythme. C'est ce que j'ai fait, je me concentrais pour ça et je me rendais compte au final qu'en fait je jouais pas trop tôt, je jouais pile sur la pulsation. C'était moi qui pensais qu'il fallait que je joue trop tôt. Une très bonne façon de progresser là-dedans, c'est de s'enregistrer. Parce que quand on joue, on dit « Ah, c'est bon, c'est dans la pulse », on écoute et là, on dit « Ah mince, ah ouais, ça groove pas trop, quoi, c'est pas trop... » C'est parce que, justement, on est décalé par rapport à la pulsation. Donc, avec tous les smartphones qu'on a autour de nous aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas vous enregistrer. Vous mettez le modèle de T-Bone Walker ou de Albert King, peu importe, et vous jouez en même temps, vous enregistrez, juste le thème, hein, 20 secondes avec votre smartphone, et vous écoutez. Et si vous entendez même pas, vous avez l'impression qu'il y a juste une quatrième guitare qui joue en même temps que les trois autres guitares, ben c'est bon, c'est que vous êtes bien dans la pulse. Sinon, non. Sinon, il faut donc essayer de percevoir quand est-ce que vous accélérez, vous ralentissez, tout ça. Ça, c'était mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, c'est l'énergie, en fait. Là, j'ai joué ce thème de blues un peu comme un musicien de bossa, on pourrait dire, jouerait un thème de blues. Ta da da, ta da 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 da. Tout calme comme ça, sans attaquer la guitare trop fort et tout. C'est du blues. Il faut rentrer dans la guitare, il faut que ce soit dansant en plus, c'est un shuffle. Pas d'un temps. Ta d'un temps. Il faut vraiment attaquer la guitare plus fort que sur un morceau de bossa par exemple. Donc ça, c'est important que ça se traduise à la fois dans votre technique de guitare, donc ça veut dire attaquer plus fort les cordes, hein. Comme ça, et non pas... Et je refais. Si j'exagère un peu, cette dernière note, elle frisait un peu. Si je coupe mon volume, que je l'écoute, on va entendre un clac, on entend le slap de la corde sur le manche, et quand je remets mon volume et que j'écoute le son de l'ampli, ça pose pas trop de problèmes, ça fait un effet un peu plus percussif. Je perds un peu du sustain de la note, mais là elle est piquée donc c'est pas grave. Et je gagne beaucoup en énergie, le fait d'avoir ce son un petit peu claquant quoi. Donc ça c'est, il faut que ça se traduise dans votre technique de guitare, mais aussi dans votre énergie globale en fait, dans votre énergie corporelle. Si vous jouez ce thème avec la bonne technique et que vous êtes comme ça, ça va s'entendre dans votre jeu que vous êtes un petit peu, que vous n'avez pas l'énergie de ce morceau-là. Alors, si vous êtes quelqu'un de nature extrêmement zen, très calme, eh ben, peut-être que ce style de musique ne sera pas le style, comment dire, dans lequel vous êtes naturellement, spontanément, ultra à l'aise et raccord avec l'énergie. Mais c'est un bon exercice, justement, de s'entraîner à jouer des styles de musique qui ne sont pas forcément dans votre énergie de base, on pourrait dire. Ça fait partie du rôle du musicien de s'entraîner, de jouer différent. On pourrait dire
comme un acteur qui jouerait différents rôles. Un acteur qui est peut-être extrêmement nerveux, très naturellement, mais qui va jouer le rôle de quelqu'un qui est tout mou. Voilà. Ben, c'est un exercice pour lui qui est sans doute très intéressant. Quand on est musicien, c'est pareil. Il faut savoir faire un petit peu de différents styles, quoi, jouer différents styles. Donc là, ce morceau-là, il se joue un petit peu nerveux. Je vais les refaire ces deux morceaux en appliquant tous ces conseils, en essayant d'être pile dans la pulsation avec une attaque plus franche, une énergie corporelle plus franche, et puis avec le bon phrasé, avec les bonnes notes piquées et tenues. Une petite erreur sur le. J'ai fait une petite erreur, sur... je me suis trompé d'une note sur la version avec Albert Collins. Vous voyez déjà que c'est pas exactement les mêmes énergies ces deux morceaux. Vous voyez aussi que sur la version de Albert Collins, il y a une appoggiature qui joue systématiquement sur cette note-là. Donc, ça c'est important de l'avoir remarqué pour recopier le phrasé. En conclusion de cette vidéo, essayez d'être le plus possible attentif à tous les détails qui tournent autour des notes principales et du rythme principal. Toutes ces petites subtilités, c'est souvent ça qui va faire justement le fait qu'on trouve que la musique est bien jouée, ou que même qu'elle est personnalisée, qu'elle apporte de l'émotion. Voilà. Tous ces petits détails de phrasé, c'est extrêmement important, et en particulier dans certains styles de musique, comme le blues. Sachez qu'il y a plein de cours vidéo, alors déjà il y a plein d'autres tutoriels sur le blues sur ma chaîne YouTube, et il y a aussi plein de vidéos, de cours vidéo beaucoup plus complets, qui durent en général 2 heures, qui sont disponibles sur mon site Guitare Improvisation et qui sont payants, à un prix pas très élevé, dans lesquels je détaille plein de choses, donc comment interpréter des thèmes, mais aussi pas mal l'accompagnement et l'improvisation évidemment sur les blues. Vous pourrez vous entraîner à jouer ce morceau-là sur des playbacks qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo où j'interprète T-Bone Shuffle à 2 guitares. Comme ça, vous pourrez télécharger la tablature du thème déjà. Et puis aussi vous inspirer de ma version. Pourquoi pas jouer en même temps que moi pour bosser votre phrasé.